Bienvenue, messieurs, dames, dans ce nouveau numéro. Je suis The Game Pro, si c'est la première fois que vous me regardez. J'ai fait de micro-trottoirs par rapport au thème du jour. Est-ce que tu as un message à faire passer en ton président, s'il tombait sur cette vidéo? Ou un message à faire passer au gouvernement de ton pays? Je vous laisse suivre à cet élément. You ready? Bonjour. Le soleil là, je vois. Je profite du soleil avant l'hiver, c'est sûr. Avant l'hiver, ah ouais, surtout il fait beau aujourd'hui. Profiter quand il y a du beau temps. Ok. Vous êtes de quelle origine? Moi, je suis d'origine haïtienne et américaine. Haïtienne, américaine. Est-ce que vous avez un message à faire passer au président Donald Trump? Il y a des choses qu'on ne s'attendait pas. On aurait dit un fou en liberté. Voilà, c'est ça que je n'aime pas chez lui. Il agit comme un gamin, quoi. Non, il est impulsif, on peut dire. Oui, très, très impulsif. C'est ce côté-là que je n'aime pas chez lui. Ah oui, et un message positif, s'il y en a peut-être. Positif, il essaye d'aller de l'avant. Il essaye d'aller de l'avant. Okay. C'est comme ça que je vois ça, quoi. Français ou... Oui, français. Hein. Ok, est-ce que vous avez un message à faire passer au président Macron? Ah, il y en aurait des messages. Après, est-ce qu'il peut les entendre et est-ce qu'il peut changer la situation dans laquelle il s'est mise? Quelle situation? La façon qu'il gouverne ou... Oh, c'est pas la façon qu'il gouverne, c'est que lui, il fait ce qu'il peut. Et d'autres avant ont tenté de faire des belles choses et ont échoué. Donc soit volontairement, soit involontairement. Voilà, le résultat est toujours le même, quoi. C'est les petits qui payent et puis... Et jusqu'à présent, selon vous, depuis le temps qu'il a fait au pouvoir, s'il faudrait donner une note sur 10, vous donneriez combien? Je sais pas, 2. What? 2 sur 10. C'est déjà bien. 2. Même pas la moyenne. Ben il a pas. Pourquoi la moyenne? Oh ouais. Tout va bien. Le chômage est résolu. Ben en tout cas, moi, je sais pas, c'est votre avis. Il n'y a plus de gens qui dorment dehors. Et nous, on est maliens de la France. Il y a 20 ans, il y a 5 ans, je vivais en France. Mais on a eu beaucoup de difficultés au niveau de notre ambassade, au niveau des pièces d'identité maliennes, passeport, acte de naissance, au niveau de carte d'identité malienne. Dans le problème de l'organisation Oui, au problème de l'organisation. Voilà. Il y a beaucoup de Maliens aujourd'hui, ils faillent perdre leur titre de séjour en France à cause des passeports. Okay. En tout cas, le gouvernement malien, c'est un message pour vous. Le problème de passeport, l'ambassade de l'ambassade du Mali en France. Du Mali en France, essayez un peu de résoudre ces problèmes-là. Le gouvernement malien, s'il vous plaît, la désorganisation ici en France pour votre ambassade. En tout cas, c'est ça le message. T'es de quelle origine? Moi, je suis congolais, moi. Congolais, ouais. Des Brazzaville ou Kinshasa? Kinshasa. De Kinshasa. Est-ce que t'as un message à faire passer à ton président? Hey, Kabila, va te faire enculer, dégage. C'est comme ça que tu parles à ton président? Ouais. Un peu de respect quand même, hein? Non, pas de respect pour lui. Et pourquoi? Parce qu'il fout la merde. Ah ouais, ouais. Pas de message positif? Message négatif, carrément. Carrément? Ouais, carrément. Premièrement, t'es de quelle origine? Guadeloupéenne, allemande. Ok, donc française. Ouais. Allemande? Ok, est-ce que tu as un message à faire passer à la chancelière? Je la calcule pas, donc non. Tu la calcules pas? Non. Ah ouais? Et pourquoi? Parce que... Mais c'est une femme comme toi, oui. Ouais, mais... Genre, mon côté allemand, genre, voilà, quoi. C'est le côté entier qui l'emporte, donc plus... Alors, côté français, alors? Un message pour le président français? Macron, franchement, la vie, c'est pas un bol de choc à pique, donc faut prendre la... ton rôle au sérieux, en fait, faut arrêter les gamineries, quoi. J'espère que le message est passé. Sénégalais. En sénégalais. Oui. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton président de la République? Mon président. Il est bien travaillé là-bas, donc moi, j'aime bien mon président. J'aime bien ton président, un bon président. Comment il s'appelle? Il s'appelle Macky Sall. Macky Sall, le président sénégalais. Big up à tous les Sénégalais. De quelle origine?
Malienne et ivoirienne. Malienne, ivoirienne. Est-ce que vous avez un message à faire passer à votre président de la République? Oui. Pour le président malien. Je voudrais juste lui dire de démissionner comme ses collègues. Ah oui, comme ses collègues. Il gouverne mal le pays ou quoi? Oui. Et un message pour le président ivoirien? Qu'il aide plus le peuple. Ouattara, c'est lui, non, je crois? Oui. Juste ça pour lui. Juste ça. Apparemment, t'aimes pas tes deux présidents. Hélas. On se ressemble. Un peu, genre la couleur de peau, voilà. Mais de quelle origine? Cap-verdienne. Ah ouais, raison pour laquelle, je comprends maintenant pourquoi vous vous ressemblez. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton président? Oui. Regarde la caméra. Je voulais lui dire de changer son comportement par rapport à celle qui fait à toutes les peuples. Qui change son comportement? Oui. Qui regarde le peuple ou comment? Bah, qui aide enfin, de gêner les gens d'avancer dans leurs projets. Et, toi, un message pour ton président? Il finira à la CPI. Il finira à la CPI. Il finira à la CPI. Ah, voilà. T'es pas gentil, hein. T'es de quelle origine? Camerounais. Camerounais. Est-ce que t'as un message à faire passer à ton président? Ouais. Lequel? Dire de partir. Monsieur le président, il est temps de vous en aller. Monsieur le président, il est temps l'heure à sonner. De partir direct. Partir. Et pourquoi partir? Il est là, il gouverne, non? Et ça passe quand même, hein, au Cameroun. Parce que moi, j'ai pas de problème avec les gens qui restent longtemps, qui font un long mandat. Ah ouais. Mais c'est la façon dont ton mandat il est fait qui pose problème. Si en, ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait 40 ans. Si en 40 Paul Biya, je crois. Ouais, ouais. Oui. Si en 40 ans il est là, qu'il n'y a pas d'évolution depuis, et que tu as quelqu'un d'autre qui semble être. Depuis, on n'a pas vu des opposants qui semblent avoir rapporter un renouveau comme ça. C'est qu'il est temps de partir, en fait. Ah ouais, en tout cas, je te remercie. Il n'y a pas de problème. Bonne journée. Bonne journée à toi. Salut Fonzin. Salut. Ça va? Ça va bien. Très bien. Ouais, en forme. Ok, ouais, en forme. On profite du soleil, hein, nous tous aujourd'hui. Okay. Ouais. De quelle origine, s'il vous plaît? Comorienne. Comorienne. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton président? Ce que j'aimerais lui dire, c'est juste laisser la place à un autre. Tu es de quelle origine? Je suis française martiniquaise. Française. Oui. Ok. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton président de la République? Oui, qu'il fasse un meilleur travail et qu'il considère plus toutes les personnes comme nous, quoi, de classe moyenne. Parce que je trouve qu'il ne fait pas assez de choses pour nous. Pas assez de choses? Et comment? Je trouve qu'au niveau des salaires, au niveau des emplois, il en enlève beaucoup. Enfin, moi, je travaille dans un hôpital et je trouve qu'on n'est pas assez. Et que vu qu'ils ne veulent plus embaucher pour dépenser moins d'argent, je ne trouve pas ça très très bien. Tu l'as voté? Oui, mais je regrette, du coup. Vous êtes américain? Oui, un regret. From, America, USA, okay. Un message pour lui, excusez-moi. Donald Trump. My message. To the President of the United States, I would like to see him respect the democratic institutions of our country. Thank you. Moi, je suis réunionnaise. Ah, réunionnaise, donc française, on dirait. Oui. Ok. Je commence par toi. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton président capverdien? Tu peux regarder la caméra. Non. Pas de message? Non. T'as peur? Moi, j'ai pas peur, j'ai pas de message, j'ai juste soir. Ok, et tu as un message à faire passer au président français? Ouais, parce que je trouve qu'il s'occupe pas assez des îles Dom-Tom. Il les laisse un peu délaissés et voilà. Mais il n'y a pas longtemps, il a fait même pas encore 3 ans et... Oui, je pense qu'il n'est pas passé à Mayotte. Là, les Dom-Tom, il n'est pas passé une seule fois encore. Bah, il fait des tournées, ouais, il n'a pas encore fini son mandat. Et... Ouais, mais même quand même, enfin, je sais pas. Et alors, un message fort à lui faire passer? Faut qu'il gère avec la SNCF là, parce que là ça va plus là. Ça va plus. Pourquoi? Il y a toujours des problèmes. Le retardement, les suppressions. Ouais. Du coup au travail, on les annonce souvent sur son épargne. Donc t'es toujours en retard là. Ouais. C'est le problème toi. Ouais. T'as un message à faire passer à ton président malien? Faut qu'on change de président, franchement. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il faut rien. Il faut rien. Ouais. Mais c'est pas pour rien, il est là et c'est la population. Non, il a falsifié les votes. À quelle origine, s'il vous plaît? Alors, je suis de la Martinique et Guadeloupe. Donc, en français? Français, oui. Ok. Est-ce que vous avez un message à faire passer à votre président de la République, président Macron? Oui, le grand message que j'ai à lui faire passer, c'est que, d'une part, monsieur Macron, vous êtes jeune. Donc, je pense que vous n'avez pas de droit à l'erreur. Parce que, effectivement, être jeune, c'est de faire durer les choses le plus longtemps possible. Donc c'est très bien d'être jeune, mais c'est surtout qu'on constate qu'il y a une petite désaffection de la population, malheureusement.
malheureusement, et je pense qu'il va falloir effectivement mettre le curseur. J'ai bien aimé le fait que vous ayez dit, en l'occurrence, que les politiques étaient des feignants. Pour la bonne et simple raison, c'est que je pensais que vous, dans votre esprit, vous aviez l'envie de faire émanciper le peuple un petit peu, le faire grandir un petit peu. Malheureusement, on constate que ce n'est pas le cas. Donc on laisse le peuple dans sa bêtise le plus longtemps possible. Si vous pouvez faire un effort pour augmenter le niveau intellectuel des Français, ce serait bien. Pour leur donner un peu plus de, allez, au bas mot, on va dire, un peu plus de réflexion à long terme, ça leur permettrait certainement de pouvoir aborder les difficultés qu'ils ont. Et puis pensez aussi à leur dire qu'il faut avoir un peu de croyance. Je pense que la croyance est importante dans les moments difficiles. Okay. Savoir un peu se référer à la croyance de Dieu, à la croyance dans l'homme, à la croyance au chien, à la croyance, quelle qu'elle soit. Et Philippine colombienne. Philippine colombienne, ok. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton président philippien? Tu peux regarder la caméra. Je sais pas, moi je connais rien aux Philippines, mais je pense que c'est un bon président. C'est un bon président. Ouais, parce qu'il fait des droits corrects. Tu es sénégalais? Ouais, je suis sénégalais. Un message pour le président sénégalais? Moi, donne-moi de l'oseille. Okay, donne de l'oseille. Juste ça le message. Donne de l'oseille. Et toi, t'es de quelle origine? Français. Français. Un message pour ton président français. Le président français, bah écoute, il est super cool. Il est super cool. Ouais, ouais. Vraiment, salut. Ah, je ravi de hâte de te rencontrer, Manu. Vous êtes de quelle origine? Congolais. Un Congolais. Est-ce que vous avez un message à faire passer à votre président? Kabila, dégage toi. Dégage parce que tu fais rien. Qu'il dégage. Oui, qu'il dégage parce qu'il fait rien. Il sait ton pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien, il y a des massacres à Beni, il y a des massacres au Congo central, à Matadi. Mais il faut qu'il dégage parce que. Mais déjà, il a fait, comme tu as dit, il a fait 17 ans, c'est pas pour rien qu'il est au pouvoir quand même, c'est qu'il assure quand même. Il a fait deux mandats, les élections, ces deux mandats, ils ont triché. C'est la tricherie qu'ils ont fait. Donc, Kabila avec son origine là, les Kabylis là, il faut qu'il dégage au pouvoir parce qu'il ne fait rien. Il fait rien. Kabila, dégage-toi. Je viens de parler de massacre à Beni. Un message d'épée pour un Congolais qui te regarde maintenant. Soutenons-nous, restez debout pour notre pays. C'est notre pays, c'est notre pays. Mais premièrement, il faut que Kabila, qu'il dégage. Kabila, dégage-toi. Kabila, dégage. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à liker, partager et surtout abonnez-vous pour plus de contenu. Pour cette vidéo, je vais 10 000 likes pour deuxième partie. D'ici là, portez-vous bien. Peace.